Salut, moi c'est Vincent. Donc j'adore passer du temps dehors et pour ça j'ai trouvé plusieurs excuses. Donc la randonnée, la course à pied avec le trail, le VTT aussi. Donc là je suis actuellement quelque part dans le Morvan et je suis ici pour vous parler de cette tente de Sierra Design, la Clip Flashlight 3002, donc la version de 2021. C'est parti, on va donc ouvrir la tente. Donc elle est dans un petit capuchon comme ça. Donc on retrouve la pochette avec les piquets de tente, d'un côté les sardines avec la documentation de la tente et le manuel d'installation, et de l'autre les piquets pour la tente autoportante. Ensuite on a la surcouche et la base de la tente. Donc une fois dans la tente, on s'aperçoit qu'il y a deux stockages, un à droite et un à gauche. Du coup il y a cette petite poche qui sert à mettre sa lampe frontale à l'intérieur pour diffuser la lumière dans la tente. L'ouverture, très classique. Grâce à ce petit crochet là, on peut facilement passer la tente en mode ouverture. Donc une fois couché, je suis 1m75 et je touche largement pas grâce à la tête de la tente. C'est assez grand, donc là mon sac de couchage, on voit qu'à gauche il y a encore la place largement d'en mettre un deuxième. Vraiment la place. On peut même se tenir assis sans souci quand on est bien au milieu de la tente. Donc moi ce que j'ai aimé sur cette Clip Flashlight 3002 de 2021, bah tout d'abord son poids, elle fait 1,760 kg avec l'ensemble des éléments, on peut même descendre à 1,530 kg. Sa couleur aussi, elle est verte, donc elle se dissimule bien, on n'aime pas trop être dérangé en bivouac quand on campe dans la forêt, donc ça c'est un avantage pour moi aussi. Et sa taille tout simplement, pour son poids, on peut dormir à deux très confortablement. Et c'est une tente 3 saisons. Donc l'étanchéité de la tente est à 3000 schmerber. Pour ouvrir, c'est simple. On tire de chaque côté. Ça permet d'ouvrir la tente. Pas comme ça. Là, il y a une position à l'aide de bâtons. Et on peut voir le petit abside de toit qui permet d'être en dessous et de se protéger de la pluie. C'est bien utile face aux intempéries. Donc une fois repliée, cette tente elle fait que 46 cm par 13 cm dans son petit sac burrito.